Castaldi, par exemple, il arrête pas de parler voilà un dîner. Et bah, attends, tu pas mon pote, il dit un mot toutes les deux heures. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. J'adore, c'est son sourire. C'est pour son sourire qu'il est là. Ses yeux, son sourire, tout ce qu'on voit pas. Voilà. Ça va, vos seins? Très bien. Merci. Très bien. Il y a deux meufs, le seul qui répond, c'est le mec. Ça va, tout va bien? Très, très bien. Ah, vous étiez à Voria ce week-end? Ben oui. Alors... Il a été au ski, comme ça, en jet privé, direct sur la piste. Non, et l'avion a atterri dans le chalet. Pas du tout. Ah non, merde, ça c'était Castaldi il y a 20 ans. Non, là il est allé en. Il est allé. En train. En overboard. Non, j'étais en train. Et vous savez qui j'ai croisé tout seul? J'ai croisé cet individu-là. Qui était attendez, mais lui il était partout. Il était au Parc des Princes, il était dans le train. Excusez-moi, mais. Attends, sans rigoler, vous êtes sûr que c'est vous? C'était pas DJ Snack? Non. DJ Snack? Est-ce qu'il était au wagon restaurant? À la voiture restaurant? C'était DJ Snack. Pas du tout. Il est parti à Genève. Mais alors. Et alors, mais attendez, parce que pourquoi je. T'en fais des trucs? Alors, je vais vous dire, je sens pas du tout l'histoire de Castaldi. Si, vous savez pas pourquoi. C'était pas du tout. Parce que quand il est tout agité comme ça sur une histoire, souvent ça tombe à l'eau. Ouais. C'est comme quand il s'agit très vite sur une femme, il épouse très vite et il divorce très vite. Non, mais c'est vrai. Et ben en fait, c'est pareil avec les histoires. Il ne devrait même pas la dire. Ouais, je vais la garder. Tu devrais pas la dire. Allez, vas-y, Warren Bettina. Allez, vas-y, Warren Bettina. Allez, vas-y, Warren Bettina. C'est Warren Betty Boops. Merci. Vas-y. Alors, Warren Betty Boops. Je dis ça parce que nous avons pris le même train vendredi. Ah ouais. Voilà. Et il m'envoie un texto, il dit je prends le même train que toi. Donc moi, gentiment, je dis je vais voir mon copain dans le même wagon. Bah, vous étiez, je suis sûr que vous étiez en première. Mais évidemment. Et vous deux. Comment tu te la pètes, toi, sans rigoler? Donc, bah, oh, j'ai ça comme ça. Pourquoi vous êtes comment, vous? Mais je prends pas de train. Mais pas du tout. Je pars jamais, connard. Ouais. Ah, c'est ça, c'est gentil. Il se la pète, mais il a squatté le chalet d'un pote. Hein. Ouais, bah, écoute, ça suffit. Ah, pardon. Bon, et donc, je me suis dit, je vais aller voir mon ami. Et en fait, il n'était pas seul. C'était avec qui? Il était. Ah, voilà. Et ah, voilà. Je sais. Oui, oui. Non, alors oui, alors non. Voilà, non. Je suis au courant, parce que moi, il me dit tout. Je suis au courant. Il me dit tout. Molo, la Seco. Ne parlons pas de Jean-Patrick ici. Merci. Molo, Lastico. Merci. Merci, merci. Oui, une question de Géraldine Magnier. Bonsoir. Alors vous étiez chez Laurent Ruquier, c'est sympa. Ouais. En direct, c'était sympa. Hein. Très sympa, ils sont gentils. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'aime beaucoup, c'est vrai. Ils ont été gentils avec vous. Hyper gentils. J'ai regardé juste les extraits qui me concernaient. Le reste, j'ai pas tenu, j'aime beaucoup l'émission, ouais. Mais j'avais des paddles. Non, mais vous étiez génial. Ouais. Mais vous avez rien vu. Vous êtes génial partout, vous avez bien sûr que vous y regardez. Croyez quoi, on est une famille. Oui, c'est vrai. Partout, où vous soyez, je vous regarderai. C'était quoi, préféré. C'était quoi votre moment préféré? Mon moment préféré, quand elle a dit que... Merci non, Cyril. Pas du tout, quand elle a raconté le livre, la rencontre entre... Imaginez, entre Françoise Sagan et Ava Gardner qui se rencontreraient dans un aéroport. Ouais. Et elle a imaginé ce dialogue incroyable entre ces deux femmes qui se rencontreraient dans un aéroport. Mais bien sûr que c'est vrai. Et oui, c'est vrai. Et elle s'est dit, tiens, si ces deux femmes... Pour moi, c'était le rêve de les voir se rencontrer parce que je me suis dit, c'est vraiment, ça serait une rencontre incroyable. Et je me suis dit, tiens, je vais écrire ce roman de cette rencontre entre ces deux femmes qui auraient rêvé l'une et l'autre si elles se connaissaient de se rencontrer. Elles se connaissent, vous l'avez lu ce week-end. Mais non, mais je l'ai vu. Bravo, Maïs, on est putain. Il a lu. Merci. C'est bon, s'il vous plaît. Merci, je crois que... excusez-moi pour cette démonstration de force. Mais je déteste qu'on remette en question vraiment ma légitimité sur la littérature. Oui. Une question sur Guillaume Janton. En fait, vous êtes au courant de toute sa vie. C'est-à-dire qu'il va à Genève, il vous le dit. Ouais. Il va au Parc des Princes, il vous le dit. C'est mon ami, c'est mon frère. Il invite Raymond, il vous le dit. C'est il change de meuf, il vous le dit. Oui, tout. C'est mon frère. C'est mon frère. C'est mon coach de vie. Exactement, je suis son coach de vie. Regardez ce que j'en ai fait. Une chauve-souris dépressive. Non, pas du tout. Il est en grande forme. Ouais. J'ai de très grands projets pour lui. Merci. Ah, lesquels? Sachez-le. Des très grands projets pour arrivé lui. Arrivé ou professionnel? À quel niveau? Professionnel. Ah. Je pense que vraiment, je peux pas vous le dire. Vas-y, dites-le. Non, je peux pas dire. Mais j'ai un people, hein. J'ai un énorme projet pour lui. Sachez-le. Menace. Je vais lui. TPMP People. Je pense qu'il reprendra TPMP People. Non, j'ai un énorme projet pour Guillaume Janton. Je peux pas en parler encore.
Mais sachez que c'est un des projets les plus importants pour moi. Oh. Donc c'est à lui que je vais le confier. Ah, c'est pourquoi lui ? Mais attends, pourquoi lui ? C'est pas à l'abri d'un succès. Si t'as donné quelque chose, maintenant il donne. Chacun, je donne à chacun. Regarde, j'ai donné à quelque chose à Benaïm, quelque chose à Benjamin. Je suis sur quelque chose pour Kelly. Si, si. Non, mais j'en veux pas, merci. Si, si, si. Pour vous. Nous, bon. Pour les deux, là. Je vous ai pris le plus bel iPad. iPad. Non, pas iPad. L'iPad. Pour Raymond, j'ai des projets aussi. Le j'ai gagné et pour Géraldine, j'ai aussi un projet. J'avais déjà lu mon livre, hein, c'est un énorme projet pour moi. Non, c'est vrai, c'est beau. Hein, ouais. Ouais, je l'ai lu, je l'ai dévoré. Je dirais pas que j'ai lu votre livre, j'ai dit que je l'ai dévoré. Parfait. Alors, les chéris, merci d'être là ce soir.